Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Inouda Scrap. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver déjà. Et puis, on va faire un haul A et un haul N. Et oui, j'ai craqué quand j'ai vu que les magasins avaient réouvert, j'y suis vite allée. Allez, on commence par le A. Donc, magasin A, j'ai trouvé ce Bouddha. Où on peut mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur. Du coup, j'avais un petit cadeau à faire. Donc j'ai dit, bah, ça fait l'occasion. Comme ça la personne pourra mettre une petite bougie. Et cette personne là adore les bouddhas. Donc les bouddhas comme ça, je les ai trouvés en tête de gondole, en argenté ou en doré. Voilà, après ça vous doit. J'ai pris des lingettes parce que j'en avais plus. C'est mon lingette bébé. Ensuite, alors on va commencer par ça. J'ai trouvé des dyes, j'en cherchais des très grands. Je cherchais des très très grands dyes comme j'avais pu voir sur la chaîne de Miss Miu Miu. Bah, je ne les ai pas trouvés, donc je vais essayer de voir dans la semaine. Il y a une autre action là plus haut. Après que j'aurai fini de travailler dans les vignes, bah, j'irai voir. Voilà, en espérant que j'arrive à tomber dessus. Sinon, donc j'ai trouvé ces petits dyes là, ils étaient à 99 centimes ou 90 centimes, je ne sais plus. Donc c'est des petits dyes qu'on pouvait trouver dans différentes couleurs. Donc là j'en ai en deux, j'en ai deux en double. Eh oui, j'ai pas vu. J'ai donc l'oiseau, donc ça ressemble à un aigle. Donc je l'ai en doublon. Et puis une petite guirlande fleur avec un cœur. Donc voilà, donc pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je vais faire de cela. Car c'est mes doubles. Donc je mettrai de côté et je verrai si je les mettrai dans un lot ou dans un courrier. Alors, petit dice. Donc j'ai trouvé ce dice là trop trop mignon avec donc la petite cabane, le petit oiseau, voilà, petit mangeoir sympa, mignon, j'avais pas. Ensuite j'ai trouvé celui-là aussi qui est très joli, guirlande de fleurs avec feuillage, donc ça peut être sympa. J'ai trouvé celui-là, donc il me fait penser un petit peu à une montgolfière avec la petite boîte à musique, donc pourquoi pas aussi. Donc celui-ci que j'ai en double, donc ressemble à un aigle, oiseau. J'adore celui-ci, il me fait penser à une salamandre, j'adore, j'aime beaucoup celui-là. J'ai trouvé donc les flèches. J'ai trouvé celui-ci, donc pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça va rendre en découpe, hein, faudrait que j'essaye. Donc en fait c'est une multitude de petits cœurs. Donc celui-ci également, donc je l'ai en doublon, hein, je vous l'ai montré juste avant. J'avais rien sur les naissances en dies. J'avais. Non, j'ai rien. Donc, du coup, petite guirlande. Voilà, sympathique. Ensuite, des ballons cœur. Un cœur aussi, avec comme un petit peu avec une branche d'arbre. Je sais pas encore au niveau des découpes, hein, je dis bien. J'ai pas encore testé. Et petite guirlande de cœur, voilà. Un petit peu dans l'esprit. Un petit peu bébé. Voilà pour cela. Je me suis repris deux boîtes comme ça en bois. Ouais, elles sont pareilles. J'avais une petite idée pour cet été de faire un petit arrangement dedans. Donc pour une, et puis bon pour la deuxième, bah, je vais vous dire, c'est pas perdu hein, les boîtes. Hein, on les utilise toujours. J'ai également trouvé cette boîte en bois, j'en avais déjà pris une. Donc il y a le miroir, donc vous allez voir mon trépied, avec donc des rangements comme ça. Rangement de fond et puis un petit rangement qu'on pose dessus. Donc pour l'instant, bah, je ne sais pas trop du tout ce que je vais en faire non plus. Mais ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait donc des nouveaux dies. Moi, je ne suis tombée que sur ces trois-là. Donc j'ai pris celui-ci. La sirène, personnellement, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas du tout la sirène. Par contre, j'aime beaucoup l'enclume avec la fleur. Celui-ci, je le trouve super joli. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec l'oiseau. Les petits mots aussi sympas. Hello, smile, sunshine. Voilà, pourquoi pas. Sympa. Et j'ai trouvé celui-ci également très joli avec les coins. Donc moi, je n'ai trouvé que ces trois-là. Voilà. Pendant le confinement, j'avais fait pas mal de rangements d'eyes, de tampons, d'eye cut. Également, je n'avais plus de pochettes. Donc du coup, j'ai fait la razzia. Alors, les pochettes par format A6. Donc il y en a 50 à l'intérieur. J'en ai pris 5 paquets. Voilà.
J'ai pris un format 13-13, il y en a 50 également dedans. Et j'ai pris deux formats 15-15, donc il y en a 50 aussi dedans. Donc j'ai fait mon plein en pochette. J'ai retrouvé des die cuts comme ceci chez Action. Donc j'en ai pris deux paquets identiques sur l'esprit Halloween. Citrouille, écureuil, champignon, feuille automnale, etc., etc. Donc je pense que vous les connaissez. Moi j'en ai trouvé, donc j'en ai pris deux. Et là j'en ai pris trois. Donc là c'est plus sur les plantes un peu grasses, succulentes. Voilà, donc il y a plusieurs plantes, il y a des cactus. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. J'avais projet de faire un petit junk, un petit pot de botanique. Donc du coup j'utiliserai ceci dans le junk. Donc du coup cette vidéo sera en deux parties. Je vous avais donc proposé A et N. Du coup là je vous ai présenté donc les produits de chez Action. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite après pour du coup une petite vidéo sur les produits de Nose. Voilà, allez, à tout de suite. Bisous bisous, à tout de suite.